dans vendredi de midi et demi à 4h30. Voilà, nous tenons même. Et tu es avec nous. Nous avons juste à parler justement de dépassement pour un compromis politique historique. Historique. Et Eric Techita Bokoten, il a dit nous, pays a mis du feu là-dedans. Il faut nous agir rapide. Il faut nous pas perdre du temps. Il était dit, il était au rendez-vous pour aller à 5h. Mais l'a prêté jusqu'à 4h30. Parce que l'État aimait que vraiment nous décider. Nous connaissons exactement ça nous va le faire. Eric, son monde qui était toujours très élégant avec nous, son monde qui était toujours dit faut pays avancer. Et dernier mot, il te dit sénateur, vous connaissez l'un de jeune compromis, il faut dégager le métier de travail dans le pays, il va blâmer pour une faire pour nous. Et puis, il y a 4h30, conduit, je me déchire à bon côté. Et puis, c'est le lendemain matin, ma papa une nouvelle là, que Eric tombé. Moi, je crois que, et ça me dit, il n'y a pas qu'à dire Eric mourir dans l'insécurité générale. Il faut que DCPJ font enquête. Il faut que vous gardez côté le souci, puisque dans le moment, ça a côté de parler de compromis et politique en dépassement. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour me garder vraiment. Et ça qui passe. Et nous avons loué et CEN dans RDNP. Vraiment, ils ont tout également demandé. Ça a été dit, et c'est peut-être ça que je dis ça là. Seul bagaille, ils ont même besoin, ils ont besoin qu'on j'ai Eric Mouri. Donc ça fait que demande ça qui a été fait avec nous tous qui dans compromis. Hein. Moi, répété, non seulement moi, relé chef de la police pour me dire ça, moi, mandé le tout publiquement pour. Qu'on enquête qui fait pour nous connaître exactement ce qui passé là. Et concernant la situation, Jemona, je dis, dans la tempête qui obéit nous là, je dis, l'aigle ne fait jamais la tempête. Au contraire, il s'en sert pour prendre de la hauteur. Okay. Et c'est ça, me pense, que nous avons fait parce que, avec l'expérience, nous comprenons, nous pas Timoun. D'ailleurs, je dis, Timoun va rentrer dans la garde. Mabdou, comment on a dit, vous bien, parce que l'aime entrer le professeur, il dit ça, tout le monde va venir dans le garde là. Soit venir là, par eux, pour faire tactique, pour courir, pour faire tout à fait. Donc, je vous ai dit, on va dire, très rapide, son décision est purement politique. D'ailleurs, il y a deux. Même guette de décision là. Ouais. Son bagage qui est purement politique. Je voulais expliquer ça parce que. Et le plus souvent, l'heure où la situation ça yo, mon a parlé, yo gen droit garder question quand vous venez défendre tout, ou la situation ça, c'est ça qui s'est fait et vinn défendre. Non, moi t'a demandé et tout le monde tête frère garder ça yo dia et moi même garder qui réponse nous bail là par rapport à ça yo dia parce que justement, c'est à partir de ça yo dia que nous doit répondre. Parce que réponse nous la juridique, la politique tout. Ouais. Parce que c'est avec juridique là pour nous arriver à faire retirer notre nabaï ça. Mais politique là, ça veut dire qu'on continue la bataille. Nous ne pouvons pas blaguer la bataille. Et ben, on regarde par exemple Canada. Yo, Canada, dans notre ministre Mélanie Joly fait sortir, il dit que il y a un président Sénat actuel là avec l'ex-président Sénat qui était utilisé statut que vous avez gagné. Puis on fait ça rentrer dans le pays. Et Canada, quand même, son pays qui a pile monde intelligent, un pays de droit démocratique. L'homme dit nous avons utilisé statut, c'est-à-dire que l'homme des présidents a utilisé statut pour faire ça rentrer dans le pays. Forme de Jean Mouna, depuis 2009, moi j'ai étudié Canada, mais depuis 2007, l'homme d'abord renouvelé visa, Canada, il a dit. Et est-ce que je suis militaire? Je dis oui, je suis militaire. Parce que visa étudiant, je n'ai pas un visa touriste pour aller au Canada. Je dis est-ce que je suis militaire? Je dis oui. Je dis d'après la loi 94 Canada, d'après tout le monde qui est dans l'armée, pas qu'à le Canada. Et que je n'ai pas renouvelé visa. Et moi, je dis ok, pas de problème. Donc depuis le 2007, je n'ai pas gagné un visa pour le Canada. Oui. Bah, aller en fonction du statut d'ancien militaire. En 2017, moi, président, c'était à la fin. De madame, des présidents Sénat,
c'est Canada qui t'a invité pour m'aller dans le Parlement Québec et dans le Parlement Ottawa. Et comme de fait, yo ban mon visa pour m'aller. Pour qui ça? Yo te voulu recevoir nous pour yo te applaudir le travail que nous t'ai fait en dans le Parlement haïtien. Yo t'ai invité et moi-même et président chambre député pour yo te applaudir le travail. Donc m'aller dans le Parlement Québec là, yo ba un standing ovation et m'aller dans le Parlement Ottawa pour te recevoir. Bon. Si c'est pas d'homme de président m'utilise statut me faisant entrer, m'pa quoi parlement la caille nous pas t'apprêter pour applaudir. Donc c'est premier bagage m'tap dit. Deuxièmement, j'ai mon grande délégation de haut niveau canadienne qui rentre il y a cela une semaine. OK. Premier monde justement que invité moi-même avec oui. Sénateur. Mm-hmm. Yo invité nous pour dire nous que premièrement, yo pas invité monde qui n'a violence, qui n'a question gang. Yo invité des monde que yo pensait que yo ka prend parole là mais pour regarder comment pour et aborder problème Haïti. Et ça veut dire. Yeah. Donc sénateur Lambert fin balé, moi-même moi parler. Et deuxièmement, bon officiel pendant rencontre il dit ça qu'a passé là, le sénateur Lambert dit il a parlé de compromis, il dit depuis un an sénateur Sayo a fait des marches pour rejoindre un consensus. Et que les tout dix délégations ça que de monsieur Sayo c'est ça seulement il a fait depuis un an et il a eu acte de ça à faire il y a cela une semaine. Donc ça veut dire mon seule différence de gavé au moins dit général qui était là moi dit général là attention ou pas capable de intervention non on nous parler de assistance faut nous faire une assistance technique à l'armée et à la police moi assumer différence ça que oui. Gavé mais après ça c'était deux monde que te recevoir que yo quoi et demander nous quelle est la solution et nous t'ai parlé de compromis historique là. Donc comment t'as voulu pour un pays qui a cela une semaine il recevoir nous comme monde qui pour aider travail à faire qui te recevoir moi comme président t'es arrivé jodi à là moi pense que au niveau de Canada gon l'autre pays qui dit on a passé prendre décision ça d'ailleurs t'ai gagné rencontre qui t'ai fait avant États-Unis avec Canada. Yo dit prendre et Canada malheureusement retrouvé dans situation pour moi que il prend une décision que yo dicté parce que si Canada a un minimum de logique au moins yo va la recevoir nous à délégation parce que si une semaine après ou pas le prendre une décision comme ça ou pas ta recevoir ça c'est et pour le Canada. Maintenant on regarde la question des États-Unis m'ta doit appeler le matin hein? Oui. Il dit que il prend décision pour question de drogue, question de financement de gang, mais c'est pas une décision pour punir son bagage ou aider changer comportement. Mais comment pas comprendre non sous liste là. On dit mon yo bon, c'est quand son timon yo ba en punition. Bon, Jamona. Et tout le monde connaît justement en 2007 moi-même m'allé dans l'ambassade américaine pour me renouveler et visa. Yo dit que yo une enquête y a fait sur moi. Yo pour ka renouveler, me dit yo pas de problème. Au contraire, faut nous faire enquête là pour me ka connaître ça qui passé avant me prendre visa. Et mon associé a pris 5 ans. Et là ça prend 5 ans jusqu'à ce que je découvre qui monde qui dans l'ambassade là avec WikiLeaks, qui monde qui dans l'ambassade là qui te rapporté parce que le dégain pas naïve li. L'étape géré, moi te dit faut le payer l'état, li porter plainte pour moi. Yo découvre monsieur tribunal ici et condamné monsieur dédommagé moi signifie ambassade pas j'aime dire comme un cobne dédommagé déjà c'était 5 gouttes symboliques pas ça en plus tel de milieu oui. Donc en 2011 moi signifie ambassade là yo gardel et yo bon visa la seule chose là bon visa on est qui dit sénateur pas parler des questions là mais encore parce que en 2006, moi j'ai écrit sur la question de la MEA. Et puis, en même année, bon, en, c'est le sa délégation Washington qui est venu pour venir parler de la question de la MEA. Et je te dis, nous, Américains, pas besoin de la MEA dans le pays. La question de la MEA, pas parler de lui. Bon, moi je dis là, moi je dis négatif. Mais je te dis, je ne vais pas parler de lui. Donc, c'est une question qui finit depuis 2012. Et depuis le sa, justement, je te renouvelle le visa. Donc pour qui ça je dis à parler de bagay et on a dit depuis 20 ans alors que ou même encore ou résoudre li. OK ou te dit ou faire enquête ou résoudre li. Donc moi pas ouais justement pour qui ça
que eh bien c'est comme ça qu'on y a là où tu avais une soulevé bagarre là pendant ce temps de 2012 jusqu'à 2022 Jamouna toute délégation qui a venu au niveau américain yorilo pour dire que qui position et comment justement ouais situation et pour moi là toujours d'où il pas invité monde que vous pensez qui dans violence qui dans gang qui dans financer gang et jusqu'à 2022 jusqu'à Nichols et Nichols Levin. Donc moi quoi que je dis à au niveau de sa fête là d'ailleurs m'balbano information il y a cela un mois il y a un officiel du gouvernement qui était rencontré en Zamim il a dit répétons question opposition ça va le baisser il va commencer moyen nèg qui dans opposition yo parce que américain c'est Ariel qui supporter depuis un mois moi me battre prendre ça sérieux mais m'vin ouais question égal j'en poser là m'vin ouais exactement sur une démarche politique pour que yo intimider nous et vous voyez dit ça même dans papier vous voyez dit OK c'est pas pour punir c'est pour si nous ranger quoi nous et que gon façon yo ka retirer non parce que aux autres l'île d'ailleurs justement the ultimate goal of sanction is not to punish but to bring about a positive change in behavior. Donc c'est pour yoé comment nous ka changer comportement grand monde que nous y est OK dans niveau que nous y est nous gagnons justement des décisions politiques par exemple la question d'intervention militaire nous dit américain canadien yo pas parler de intervention nous échoué là dedans déjà en nous garder en assistance technique à la police et à l'armée parce que si nous gagnons deux conseils qui fonctionnel dans 25 ans nous pas retourner là. On est politique dans le pays, il faut regarder des décisions pour les générations à venir. Ce n'est pas des décisions pour que je dis à les problèmes. Donc, c'est la première chose que je pense. La deuxième chose, mon différence, c'est vrai avec le Canada. Il y a des blendés qui viennent, ils vont finir normal. Blendés, c'est vrai, un bâton qui n'est pas protégé, un radiateur. Moi-même, je dis, et c'est dans ton nom de la je dis général là ça. Moi dis monsieur blende nous pote yo petit problème oui nous pas capable blende ça on attend ça non et puis on est qui dit c'est un problème à Canada me dit non son compagnie privée nous pas de problème avec Canada mais quand même compagnie privée ça qui fait là li gè kobli nan men li pas capable blende au niveau ça. OK donc moi je crois que c'est normal c'est pas moi qui te dit c'est qu'on est le rebut t'as dit son monde qui dans domaine dans t'as dit parce que c'est son corps que n'acheter à la même époque monsieur Niger commandé blindé dans mes Canada et États-Unis, yo prend 15 jours yo rivé au Niger. Dans 15 jours. Et yo ba yo ça commandé là, yo ba yo en plus comme don. Niger bien loin en Afrique. Donc moi quoi que je dis à monsieur, li normal que dans situation ça, gen des bagages que nous ka di moun yo. Rivé dire moun vérité, c'est pas contre ou contre lui. C'est dit ou dit de façon à ce que pour que l'ICA corrige ça la fait et que l'IUVE dans la situation côté que l'ICA prend les bonnes décisions qui sont bonnes pour le pays. Parce que si les décisions ne sont pas bonnes pour le pays, premier bagage ou écrivez, c'est la classe politique là, ils ont condamné. Quelle importe influence négative que la communauté internationale l'a joué, quelle importe l'autre bagage qui arrive à Haïti, premier monde qui condamné, c'est la classe politique. Je dis c'est nous qui tolérer ça, c'est nous justement qui pas défendre. Bon quand y arrivé, on aider moun nan, on dit intervention pas bon, on fait assistance là qui permettre que deux institutions ça parce que depuis 94 le grand problème de la force publique c'est que nous pas une force publique vraiment qui haïtienne, c'est toujours aider et aider et leur moun yo aller yo quitte une force qui faible. Donc on nous renforce yo pour que leur fin renforcer nous ait deux forces qui capables même si sont sénateurs, députés, quel que soit moun lien zamlan l'armée qu'on est que moun n'a pas de gain pour l'arrêter. Donc n'a pas une force qui faible. Pour qui ça que c'est ça qui bon et puis je dis à au monde qui a pensé que nous compte non nous pas compte. Comme monde politique n'a toujours dit ça qui bon parce que l'œil bon la bon pour Haïti en premier, la bon pour nous et la bon pour communauté internationale là qui pas gagner justement ça nous relie qu'on y a fatigue d'Haïti de temps en temps bon problème et penser à bon pays plus ou moins qu'à pour ligne côté que n'importe qui est-ce qui vient gérer la bien des institutions qui fortes. Donc moi quoi que je dis à comme son décision nous dit politique mais nous devons et peut-être ça nous là nous expliquer population mais en même temps il y a la bataille juridique comme étant donné au Canada
pays que étudier pays que on connaît tout ouais. On a en décision gouvernement fédéral ou cal devant tribunal supérieur que le tribunal première instance pour que ou défendre ou attaquer décision et là moi pense que sincèrement gouvernement fédéral là d'ailleurs ouais ça on pas besoin présentiel non pas besoin présentiel mais ben, parce que je dis le Canada aurait des raisons de quoi a des raisons de quoi ouais t'as dit que c'est pas au bagage je dis a des raisons de quoi et moi c'est a des raisons c'est États-Unis qui disent ça que yo même yo fait donc moi crois que justement question ça n'a pas abordé un bien au niveau de juge parce que son juge qui a débouté Mounio parce que et ben même la justice là ici deuxièmement aux États-Unis il pas dans niveau judiciaire il dans niveau administratif mais quand même on a besoin d'avocat parce que procédure que vous mettez c'est des procédures qui long et complexe donc moi crois que meilleure bataille que n'a mené son bataille juridique nous pas aller dans et prendre la provocation pour que nous voyons monter à dire des paroles non nous t'es toujours des monde qui pacifique qui non violent n'a toujours été dans Kaza et n'a dit tout partisan que son bataille juridique que n'a mené pour que nous sortions dans la question ça mais n'a kembé la tête droite par rapport à Haïti n'a prêté non bataille pour nous défendre pays nous n'a prêté non bataille pour nous dire ça qu'a fait là Jean-Pierre a gouverné là il pas bon mandé on l'autre compromis historique pour que nous ca sorti dans sanier là et orienter pays à mon l'autre bagaille pour que nous ca arriver dans gouvernance qui stable bataille ça n'a fait pendant que n'a mené bataille juridique là